Bonsoir. Bonsoir à tous. Vous êtes très nombreux à nous avoir rejoints, à avoir été intéressés par la proposition de cette soirée qui nous a semblé être nécessaire quand sont parus les deux ouvrages. Donc l'un, le premier, L'Affaire, écrit par Tanguy Cavalin, publié aux éditions du Cerf. L'affaire, les Dominicains face au scandale des frères Philippe. Et puis, sur ce second rapport, Emprise et abus, enquête sur Thomas Philippe, Jean Vanier et Larche. Et donc, c'était un rapport qui était consultable en ligne, in extenso. Et puis, en faisant mes recherches et avec une indication extrêmement précieuse eh bien, de l'équipe de cette enquête, j'ai su qu'il était publié. Et donc, voilà, c'est ce livre-là qui, aujourd'hui, se matérialise en un vrai livre, Emprise et abus. Et donc il nous a semblé important de réunir les acteurs de ces deux enquêtes menées conjointement par Tanguy Cavalin donc, et par toute une équipe qui aujourd'hui, pour l'enquête sur Jean Vanier et Larche, menée et représentée en tout cas ce soir par Antoine Mourges et Claire Vincent Maury. Donc merci à vous deux de nous avoir rejoints ce soir. Merci à vous Tanguy Cavalin d'avoir répondu présent tout de suite après ma proposition. Et puis, nous avons voulu compléter aussi ce plateau ce soir avec la présence de Sœur Véronique Margron, présidente de la COREF, et que nous avions invitée en 2019 pour un livre, Un moment de vérité, publié aux éditions Albin Michel. Et puis, nous avons voulu confier l'animation de cette soirée à un journaliste que nous connaissons bien, qui connaît bien les ouvrages dont nous allons évoquer ce soir. Et puis c'est un partenariat exceptionnel avec La Croix que nous vous proposons ce soir. Et donc c'est Christophe Héningue qui ce soir va animer cette soirée. Je vous remercie tous d'être présents ce soir et je vous laisse l'animation. Mais j'allais oublier quelque chose d'important. Il va y avoir une séance éventuellement de questions au bout de l'heure. Donc la soirée se déroule de 20h à 21h30. On va peut-être déborder un tout petit peu pour qu'il y ait une heure de discussion avec les invités. Et une demi-heure qui sera faite, une place faite particulière pour les questions. Alors les questions ne seront pas dites oralement comme ça, mais on va vous distribuer des petits cartons. Vous allez pouvoir poser vos questions sur ces petits cartons que nous allons récupérer au fur et à mesure de la soirée. Et ce sera repris par Christophe qui se fera votre porte-parole. Merci et bonne soirée. Merci Mathilde. Alors les présentations sont faites et c'est bien parce qu'on a beaucoup de choses à se dire ce soir. J'ajoute simplement un détail aussi, c'est que notamment parce qu'il y avait parfois des difficultés de transport et puis aussi parce que beaucoup de monde était intéressé, il y a une retransmission de nos échanges sur le site de La Croix qui permet de suivre nos échanges. Voilà, on l'a dit, deux ouvrages, deux commissions, 1600 pages si on additionne. On n'a pas calculé, on en parlait tout à l'heure, le poids des ouvrages, mais c'est en tout cas un poids d'humanité certain. Le rapport, on va pouvoir y revenir, s'appuie sur de très nombreux, les deux rapports s'appuient sur de très nombreux témoignages, sur des choses très détaillées. On ne va pas rentrer dans tous ces détails. L'invitation que l'on vous a lancée, c'est bien de face au scandale de l'Église, quelle place pour la vérité. Donc c'est cette question de la vérité qu'on va essayer de travailler ensemble dans ce contexte tout à fait particulier, difficile et douloureux qu'on traverse ces temps-ci. Dans un premier temps, Antoine Mourges va justement nous faire entrer justement dans la façon dont à l'Arche, on a découvert petit à petit qu'il y avait des choses secrètes, cachées et déviantes, on peut le dire. Ensuite, Tanguy Cavalin nous présentera davantage, qui est historien, ou j'aurais pu dire aussi Antoine Mourges, historien. Vous avez aussi vécu un peu à l'Arche, dans une communauté. Et puis, en 2009, vous avez réalisé un master d'histoire religieuse avec un travail sur l'Arche, justement, au contact notamment. Enfin, vous avez pu travailler avec Jean Vanier. Et donc, quelques années plus tard, le propos n'était pas tout à fait le même. Tanguy Cavalin, vous êtes historien, notamment de l'histoire de l'Église du XXe siècle. C'est un sujet que vous travaillez comme enseignant-chercheur.
Claire-Vincent Maury, vous êtes sociologue et donc vous avez travaillé avec la commission sur Jean Vanier. Il vous manque quoi? Un verre? Non, vous êtes servi, c'est pour vous. Allez-y. Et Véronique Margron, donc, qui a été présentée par Mathilde, présidente de la COREF, théologienne, dominicaine, et auteur de ce livre, Un moment de vérité. Tout de suite, je vais laisser donc Antoine Mourges prendre la parole. On va prendre une heure pour que chacun puisse développer son propos, et après on pourra donc échanger avec vous. Merci. Bonsoir à tous. D'abord, je m'excuse parce que je risque de tousser, de prendre un peu mon temps dans la parole. Je suis un petit peu malade et voilà. Donc, bon. J'ai essayé de réfléchir comment aborder ça par rapport au thème de la soirée, hein, quelle place pour la vérité et face au scandale dans l'Église. Peut-être pour introduire un peu, enfin entrer un peu dans le sujet, peut-être faire un comparatif entre la façon dont, enfin, entre la façon dont l'affaire de l'eau vive a été traitée et la façon dont nous vivons aujourd'hui, nous percevons aujourd'hui ces affaires des frères Philippe et nous les redécouvrons quelque part. Un petit peu plus près, ok. Quelque part, on peut dire que l'eau vive, déjà dans les années 50, était bien perçue comme un objet de scandale par les dominicains et par l'Église plus largement et par tous les gens qui en ont été témoins. Mais on peut observer que dans les années 50, l'attitude de ceux qui en connaissent le détail, finalement, n'est pas du tout la même que ce qui nous anime aujourd'hui. Le contexte ecclésial qui les entoure non plus. À ce moment, en fait, l'affaire est traitée, mais aussi contenue dans un périmètre restreint, par le secret demandé, du fait du secret demandé par le droit canon, mais aussi par le désir, justement, de limiter le scandale. On peut ajouter que les victimes elles-mêmes, dans les années 50, n'imaginent pas vraiment de traitement autre que dans le cadre de l'institution ecclésiale. Il n'y a pas de, on ne trouve pas beaucoup, pas de traces d'appel à la justice ou de recours aux médias. Et ça nous permet de mesurer un certain écart, enfin tout l'écart qu'il y a entre le contexte des années 50 et le nôtre aujourd'hui. Alors, ces affaires, hein, pour rappeler, qui sont liées au frère Philippe, elles ont réémergé lentement. Alors, on en trouve déjà, et Tanguy l'a bien montré dans son livre, hein, trace déjà dès la fin des années 90, mais de manière assez feutrée, ou en tout cas avec une perception médiatique limitée. On sait surtout à partir du début des années 2010 qu'elles réémergent progressivement dans l'espace public. Et quelque part, les deux rapports qu'on présente ici ce soir, ça marque quelque part une étape majeure, ou peut-être pas un aboutissement, mais en tout cas quand même un passage clé dans le traitement de ces dossiers. C'est révélateur finalement des changements qui ont traversé l'Église et la société depuis les années 1950, avec notamment un rôle très important des médias, qui étaient absents en fait, hein, de l'affaire de l'eau vive dans les années 50, ou en tout cas qui n'ont pas joué de rôle, qui ont ici joué un rôle majeur depuis les années 2010. Voilà, désormais l'affaire y occupe une place centrale, et pour répondre, les médias se font le relais aussi, répondent à une attente du public, d'un besoin de vérité, ou exprimé aussi comme une demande de transparence dans l'espace public, même si je pense que c'est un terme qui peut être problématique et auquel il faut faire attention, mais en tout cas il est bien présent. Peut-être préciser deux points, la façon, en tout cas, la question de la vérité, en tant qu'historien, en tout cas, c'est pas la vérité avec un grand V, hein, c'est pas la vérité philosophique ou théologique, c'est une petite vérité, une vérité modeste, c'est la vérité des faits qui est forcément incomplète parce qu'elle dépend toujours des sources à notre disposition. Et donc, voilà, ce qu'on peut dire dépend de la documentation dont on dispose. Et même si on a écrit des ouvrages volumineux, on pose aussi beaucoup de questions et on souligne beaucoup de zones inconnues qui restent ou qui peut-être pourraient être explorées, mais qui, en l'état actuel, restent encore dans l'ignorance ou en tout cas un peu dans l'obscurité. Voilà. Et cette vérité, qui est la vérité alors historique, ou en tout cas ce qu'on peut apporter d'un point de vue historique, elle n'est pas non plus forcément en réponse aux attentes du public, ou en tout cas de l'opinion massive. Il y a un décentrement, et nous, on part des sources et on apporte ce que les sources peuvent dire.
Alors, sur la question du scandale, je pense que c'est important aussi, de préciser. Le scandale est un objet d'études historiques ou de la sociologie en lui-même. Je trouve qu'il peut y avoir deux dimensions dans le scandale. C'est-à-dire, à la fois, quand on entend le mot scandale, on prononce le mot scandale, on est choqué, la réaction publique un peu contagieuse, hein, qui choque les gens, qui entraîne du jugement, des condamnations et qui pose problème finalement à ceux qui sont au centre du scandale. Et donc ça peut être un objet d'étude historique. En fait, on peut observer le scandale, les réactions des acteurs face au scandale, leur attitude, ce qu'ils font pour l'observer, enfin s'en préserver ou le gérer ensuite s'il est advenu. Mais il ne faut pas oublier, je trouve, derrière cet aspect-là du scandale, ce qui est l'objet du scandale. Et c'est un peu le problème souvent dans ces faits, c'est que c'est les faits eux-mêmes qui sont objets du scandale. Et ils sont objets de scandale ici par la gravité finalement des faits qui sont là et que, aussi, en tant qu'historien, on peut essayer de documenter, en tout cas en établissant ces faits autant que possible et en les recomposant. Hein, donc c'est comme ça, en tout cas, moi, qu'en tant qu'historien, je peux essayer de percevoir le scandale. Alors, pour en venir un peu plus, enfin, pour entrer par rapport à l'Arche, il y a, dans le travail historique, mais il y a eu, dans cette enquête, toute une confrontation finalement, à une, pour en venir à cette question de la vérité, d'une vérité dissimulée ou d'une vérité qui a été invisible pendant plusieurs décennies, même si, en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'elle n'était pas complètement tue, qu'elle était, voilà, que certains en savaient des morceaux, hein, et que, voilà, il y avait la conscience d'un secret de famille qui était là, aussi bien dans l'ordre dominicain que dans l'Arche, finalement. Mais voilà, on s'est confronté à une vérité dissimulée, ou en tout cas, voilà, ça nous confronte à la question du poids du secret. Et ce poids du secret, finalement, il a été quelque part un peu au centre de nos travaux et au centre aussi des demandes qui, dans nous, commission, voilà, qui avons travaillé pour l'Arche, ça a été en fait nos mandataires. Une des questions qu'ils nous ont posées, c'est de savoir mais comment ce secret a pu perdurer, comment on a pu être aveugle, comment on a pu ne pas percevoir. Et donc cette question, en fait, était assez centrale dans notre travail de recherche. Et donc, ça a imposé quelque part d'aller un peu à rebours de cette histoire et de nous interroger sur ce qui faisait que maintenant, en fait, sur ce qui avait changé. On nous demandait maintenant d'établir une vérité qui avait été dissimulée, donc on a dû avoir toute une réflexion sur qu'est-ce qui avait rendu possible notre travail et qu'est-ce qui fait qu'elle avait été dissimulée avant. Et donc sur les conditions finalement de ce surgissement possible de la vérité, ou en tout cas d'une part de la vérité. Voilà, comme dans notre travail, dans notre livre, on a consacré quelques chapitres à montrer que notre commission, finalement, est le résultat d'un cheminement lent qui dit bien, finalement, le poids de cette culture du secret et du mensonge accumulé dans le contexte de l'Arche. En fait, quand on regarde, il a fallu presque 10 ans pour que l'Arche, que ça devienne une nécessité pour les responsables de l'Arche de demander ce travail et de devoir connaître cette histoire. Et pour mesurer un peu le changement qui a été fait, je peux repartir justement de mon travail en 2009 et de ce que moi je perçois. En fait, j'ai déjà travaillé sur la préhistoire de l'Arche et sur la question de l'eau vive, mais à cette époque-là, avec des sources qui étaient globalement des archives, en tout cas les archives qui permettaient de documenter l'affaire, hein, telle que le Tanguy reprend ça dans le titre de son livre, était complètement close, aussi bien à Rome, aussi bien chez les Dominicains. Il y avait un accès possible aux archives qui montraient quelque part la face positive de l'eau vive, sa construction. Donc j'avais pu travailler sur ces archives-là chez les Dominicains. Ouais, ok. Voilà. Et aussi à l'Arche, je perçois qu'il y a déjà quelque part une conscience de ce secret de famille en 2009. Mais
On sait en fait déjà dans les biographies autorisées de Jean Vanier à laquelle lui-même avait collaboré, en fait, il y avait déjà la mention d'une condamnation du père Thomas Philippe. Alors, on ne disait pas que les accusations venaient de femmes, mais quand même, la biographie notamment de Jean Vanier par Catherine Spink soulignait que une des choses qui était reprochée à Thomas Philippe, c'était ses propos sur la place de la transmission de la grâce par le corps. On trouvait un certain nombre d'éléments qui posaient question. Et dans l'Arche, certains anciens, certains responsables posaient déjà la question et la posaient à Jean Vanier. Déjà, en fait, on s'en rend bien compte. Mais ceci dit, c'est Jean Vanier qui était maître du récit à ce moment-là et qui avait le contrôle absolu. Donc il a dit des morceaux de vérité, des petites choses qu'il jugeait possible de dire, ce qu'il voulait bien dire, mais l'essentiel, en fait, restait tu. 10 ans plus tard, en 2019, le contexte a fortement changé parce que je suis resollicité à nouveau, un peu avant le travail de la commission, pour préparer ce qui va être dit sur Jean Vanier au début de l'année 2020. Donc en travaillant sur des archives personnelles de Jean Vanier et sur les archives des Dominicains qui viennent de s'ouvrir. Donc on a un contexte qui a profondément changé du fait des premières révélations par les frères de Saint-Jean concernant Marie-Dominique Philippe en 2013, de celles qui surviennent ensuite un peu comme une réaction en chaîne dans le cadre de l'Arche en 2014 sur Thomas Philippe. Donc il y a un contexte. Et puis les premières femmes qui commencent à parler et à dénoncer des situations d'abus qu'elles avaient vécues avec Jean Vanier. Donc en fait, tout ça fait que progressivement, en fait, cette prise de parole progressive permettent, en tout cas, conduisent à une prise de conscience et à la prise de conscience rendre nécessaire désormais un établissement plus complet de la vérité pour les responsables de l'Arche. Alors pour terminer, si reste, je peux parler encore un petit peu. Voilà, en tout cas, la lenteur de ces procès, quelque part, si je présente ça, c'est aussi pour montrer que ce qui conduit à la possibilité à un moment d'ouvrir des enquêtes d'histoire, de sciences humaines et sociales, etc., prend énormément de temps, en fait, s'étale sur une décennie et même plus longtemps, en fait, pour que la parole puisse commencer à advenir, pour que des travaux, les archives puissent s'ouvrir, puisque des travaux puissent être conduits. En fait, il y a une pesanteur du secret établi depuis 70 ans qui est telle il faut presque une décennie pour parvenir à ces travaux. Quelque part, une grande partie, juste pour parler de la partie historique de notre travail, que j'ai conduite avec l'historien Florian Michel, c'était justement, à partir des archives, de contribuer à mettre à jour ce qui avait été dissimulé par Jean Vanier et Thomas Philippe depuis la fondation de l'Arche et même avant. Et ça a été possible justement grâce... Et c'est là qu'en fait, on est très surpris. Quand moi, je commence à retravailler en 2019, on se dit, mais quelles archives il existe? Et en fait, en investiguant, on se rend compte qu'il existe en fait énormément de documentation. En faisant notre travail d'historien, en creusant les différentes pistes, en sollicitant les différentes institutions, on découvre qu'il y a énormément, finalement, de documentation. Alors, il y a des lacunes, évidemment, mais il y en a quand même énormément. Et... elles permettent en tout cas d'aborder cette question du secret, qui est quand même un élément central de nos différents travaux, je pense. C'est la confrontation de ces archives. Et je distinguerai, à mon avis, deux, c'est un peu simplifié, mais des archives de type institutionnel, comme les archives de l'ordre dominicain en France, à Rome, les archives du Saint-Office, aujourd'hui Congrégation pour la doctrine de la foi, qui donnent finalement un aperçu institutionnel, les acteurs institutionnels qui ont géré l'affaire de l'eau vive, qui ont géré la situation de Thomas Philippe, et qui permettent de percevoir qu'est-ce qu'ils comprennent progressivement à leur époque du secret qui est dissimulé par ce groupe de l'eau vive. Et de l'autre côté, pour l'Arche, en fait, un élément essentiel, c'est de pouvoir confronter ces archives institutionnelles aux archives personnelles de Jean Vanier, avec notamment dans ces archives de Jean Vanier, donc on a toutes les correspondances à ses parents qui permettent de dire une chose, enfin d'observer une partie du discours qui tient à sa famille et dont on se rend compte qu'il ment en partie à ses parents, par exemple, en tout cas qui dissimule une partie de sa relation à Thomas Philippe, et surtout ces archives dites NFA, Not for All, qui en fait sont des correspondances adressées
plus de 300, environ 350 lettres adressées à Jean Vannier dans la période 1952-1964, et dont la moitié sont des lettres de Thomas Philippe. Et ces lettres de Thomas Philippe, en fait, nous permettent d'apercevoir l'intérieur d'un groupe. Alors, Tanguy parle de société secrète, nous on a employé le terme de secte, mais je pense que les réalités qu'on décrit derrière, on observe voilà, des mécanismes, hein, ce qu'on observe est assez similaire, et permet du coup, ce qui est intéressant, c'est que on voit ce que Thomas Philippe conseille à Jean Vannier dans cette période, et on voit de l'autre côté, grâce aux archives institutionnelles, ce que Jean Vannier, ce que Thomas Philippe, comment il se positionne par rapport aux institutions. Et ces archives, en fait, qui nous plongent dans ce groupe secret, permettent de mesurer tout l'écart, en fait, tout ce qui dissimule à l'institution et tout. Pardon, tout ce qui. Oui, mais ah, je crois que oui. Quelques faits, alors, des dates, des chiffres. On va y venir. Mais je pense peut-être on va passer la parole. Je vais passer la parole à Tanguy. Tanguy Cavallin. Bon, même si le micro remarche, mais voilà, quitte à revenir Antoine sur la situation. Manifestement, et on a compris dans votre propos que ce qui se passe. Alors, hop, on va régler simplement. Ce qui se passe autour de l'eau vive est un moment essentiel dans cette histoire. Je ne sais pas quel micro on va pouvoir passer. Bien, on va essayer comme ça. On passe la parole à Tanguy ? Oui. Et on complétera par la suite. Voilà, non, je pense que c'est important. Donne des chiffres. Non, ce qui est important, c'est peut-être aussi, effectivement, peut-être de resituer un petit peu le cadre même de ces emprises, de ces abus, voire agressions sexuelles qui ont pu être commises, simplement, le constat de l'historien de comportements déviants qui, effectivement, étaient nourris par le secret. Merci. Bonsoir à tous. Donc, j'ai mené avec des collègues, une équipe, c'est un travail d'équipe, dont certains des membres sont là, Nathalie Viette de Paul, Caroline Mangin. Un travail donc, à la demande du provincial des Dominicains et qui portait sur les responsabilités des supérieurs dominicains. Donc, je ne m'évade pas de la question, hein, mais. Le contexte est évidemment un contexte où, avant l'Arche, évidemment, on va trouver l'ordre des Dominicains. On va trouver Thomas Philippe, mais moi je dirais qu'on va surtout trouver, et c'est ce qui nous rassemble ce soir, on va trouver un contexte qui est celui, ce qui est annoncé la soirée, du scandale des abus sexuels. Et la manière dont ce scandale des abus sexuels s'est révélé, s'est imposé à nous, et nous a amenés les uns les autres, à travers des commissions, mais bien au-delà, à réfléchir. Alors je rappelle que le scandale, c'est une notion qui, dans le catholicisme, il y a du fond, ça fait partie du droit canon. Le scandale, c'est ce qui se révèle et qui pose problème une fois que ça se révèle. Donc le scandale, puisque la soirée, c'est quand même autour du scandale et de la vérité. Hein. Moi, j'ai entendu ça. Et c'est vraiment un problème. Moi, quand je rentre dans cette histoire, dans laquelle je ne connais pas grand-chose, j'y rentre dans le scandale. Et le scandale, il nous amène à un certain nombre de faits. Donc il y a une révélation de faits qui apparaissent comme cachés, comme ayant été cachés, comme ayant été notamment cachés par des institutions comme l'Ordre des Dominicains, et sur laquelle il faut faire de la lumière.
C'est dans ce cadre-là que le provincial vient me voir. Et moi je tiens ici publiquement à vraiment rendre hommage au provincial des Dominicains qui vient me voir et qui me demande si je veux bien m'atteler à une tâche de vérité historique, en tant qu'historien, à ce travail, et où je lui réponds, je veux bien le faire, mais à un certain nombre de conditions. Ces conditions, elles sont énoncées dans le rapport, au début du rapport. Ce sont des conditions que je considère comme quasiment impossibles pour une institution, c'est-à-dire laissez-moi faire tout ce que je veux, travailler autant que je veux, regarder ce que je veux comme archive. Si je vous demande de me faire une lettre de recommandation pour aller dans tel lieu d'archive, vous me la faites, vous ne me demandez pas pourquoi je le veux. Vous ne regardez rien, vous ne me demandez pas une réunion pour savoir pendant toute la durée de mon travail avec mon équipe si je vais rentrer dans ce qui vous convient. Et à la fin, je rends un rapport qui, je vous l'impose, sera publié. Parce que rien ne fait plus peur qu'un rapport établi qui ensuite rentre dans des cartons d'archives. Et donc, j'impose toutes ces conditions au provincial. On est en début 2020. Je pense que c'est très important de rappeler ça parce qu'on est sur le rapport entre le scandale des abus sexuels et la vérité. Donc comment on se positionne quand on est sollicité comme historien par rapport à une question comme celle-là, qui est évidemment une question piège. Parce qu'il faut quand même le dire. Dans une interview dans TC il y a quelques jours, Étienne Fouilloux rappelait que les historiens, jusqu'il y a très peu, ne s'intéressaient pas à ces questions-là, ou n'étaient pas intéressés, ou étaient réticents à s'engager sur ces questions-là. Donc quand on s'engage dans ces questions-là, en tant qu'historien, ça pose des questions qui sont des questions de métier. Donc je pose des conditions qui sont des conditions dont j'ai bien conscience que ce sont des conditions extrêmement dures. Et le provincial me répond, il réfléchit un moment, et il me répond « d'accord ». Et je suis là pour témoigner du fait qu'il a tenu sa parole de bout en bout. Et pour avoir vu des choses sur Twitter disant évidemment comment croire que le provincial n'a pas vu le truc qui sort, etc., je peux vous assurer que le provincial a découvert le rapport au moment où il était publié, au moment où les uns et les autres le découvraient. Et bon, moi je ne peux que rendre hommage à une institution qui m'a laissé travailler absolument librement, déterminer absolument librement mes conditions de travail, les gens que je rencontrais, les gens que j'avais besoin de rencontrer, c'est-à-dire la manière dont je délimitais mon enquête. Parce que, et je reviens là, sur la question des scandales, les choses nous sont arrivées les uns les autres, début 2020 et puis dans la continuité des années, je dirais depuis 2013 à peu près, je ne vais pas refaire la chronologie de ça, nous sont arrivés successivement et la manière dont en début 2020 les choses se posent, eh bien, il y a un effet de stupeur. Il y a des révélations et les scandales sexuels arrivent sous forme de révélations. C'est nécessaire, ou en tout cas ça s'est révélé nécessaire, c'est-à-dire que ça dit quelque chose de ce qui empêchait que les choses se sachent auparavant, mais ça dit aussi pour l'historien les contraintes qui pèsent sur lui au moment où le sujet lui est posé. C'est-à-dire voilà comment ce code, au moment où les révélations sur les abus sexuels arrivent, voilà comment ça se code pour vous, allez-y, au boulot. Au boulot, sauf que en 2020, lorsque les choses arrivent, on est en plein travail de la SIAZ. Ce qui mobilise, c'est la pédocriminalité. C'est pas ce qu'on retrouve, c'est pas ce qui est au centre, en tout cas, de la question des frères Philippe. Donc, on se retrouve avec une question qui est celle des
du scandale des abus sexuels, qui est une question qui est codée au moment où elle sort, qui à la fois nous permet de travailler, qui sollicite de la part des autorités, que ce soit à l'Arche, que ce soit chez les Dominicains, des travaux de la part d'historiens. Je répète, c'est vraiment important, à mon avis, le recours aux historiens, qui vraiment, même dans la SIAZ, les historiens sont arrivés, mais sont arrivés un peu tardivement. Ce n'étaient pas ceux qui semblaient les plus aptes à parler de la vérité, ou les plus capables, à un moment donné, de parler de la vérité. Et là, d'un seul coup, on se retrouve dans cette configuration où, voilà, qu'est-ce que les historiens ont à dire de la vérité ? Comment est-ce que les historiens peuvent dire quelque chose ? C'est-à-dire, quel accès aux archives ? Dans quelles conditions ? Quel compromis aussi ? Parce qu'on n'a pas accès à tout. Il faut négocier, il faut prendre du temps pour négocier. Du point de vue du public, c'est très long. Ce travail 2020-2023, c'est très long. Du point de vue des historiens, c'est très court. Je me souviens du moment où le frère Nicolas Tixier vient me voir et me dit « je te demande de cette mission » et qu'il me dit « t'as besoin de combien de temps ?» Et moi, je lui dis « il me faut au moins 2 ans ». Et je vois que pour lui, ça ne va pas du tout, cette temporalité. C'est une première manière pour moi de répondre, qui est de dire ce qu'a un peu dit déjà Antoine, les historiens ont besoin de temps. Le rapport à la vérité, le moment de la vérité, hein, dont parle très bien Véronique, c'est-à-dire cette formule du moment de la vérité est essentielle. Le moment de la vérité, c'est un moment qui prend du temps. C'est un moment où on s'arrête. On accepte de s'arrêter, on arrête d'être, on refuse de continuer à être sous la stupéfaction de ces scandales qui ne cessent de sortir, et où on essaye d'acquérir un espace donc par les historiens, sociologues, qui servent à quoi finalement ces historiens, ces sociologues ? À dire justement... On ralentit, là on s'arrête, on réfléchit. Donc je ne réponds pas exactement à la question du contexte, je pense que je suis en fait pas exactement là pour parler du contexte, chacun peut le retrouver. Je pense que le plus important c'est de dire la manière dont nous sommes rentrés dans ce travail, c'est-à-dire quelque chose qui n'était pas évident. On arrive dans quelque chose qui était déjà codé. C'était le scandale. Donc, comment l'historien, qui lui a besoin de temps, qui a besoin de pouvoir son enquête, faire son enquête, aller voir des gens, aller accéder à des archives, tout ça prend énormément de temps. Comment est-ce qu'on peut travailler quand le scandale qui se fait sur le mode de la révélation, donc d'un seul coup, on découvre, on entend, on se scandalise les uns et les autres, on éprouve, on souffre avec les victimes, on entend des choses qui sont terribles. Comment nous, on se situe comme historiens ? C'est quelque chose qui, pour nous, a été très difficile. Et je sais, puisqu'à l'époque, on passait beaucoup de temps ensemble avec Antoine, c'est quelque chose qui a été extrêmement difficile. Comment on se situe pour trouver une position avec des attentes qui sont des attentes à court terme, alors que nous, on ne cesse de demander du long terme, que quand on se tourne vers Rome pour obtenir l'accès à des documents, Rome à l'éternité, j'invente rien. Hein. Et il leur faut encore plus de temps avec l'espoir que nos enquêtes se terminent avant que l'on rende compte de nos travaux. Donc, moi, j'insiste beaucoup là-dessus, à défaut d'insister sur le contexte dominicain que chacun peut retrouver dans les rapports, j'insiste sur les conditions qui permettent d'accéder à la vérité. Il faut effectivement pouvoir suspendre, je dirais, l'urgence qu'amène la question du scandale, de la révélation, la stupeur, la stupéfaction, la sidération qu'amènent les révélations successives pour dire... Nous, on a besoin de temps. Si vous voulez qu'on vous apporte quelque chose, on a besoin de temps. Ça n'est pas du mépris par rapport aux victimes. C'est au contraire la manière dont on peut apporter à notre place quelque chose
pour les victimes en se mettant en retrait, en demandant de ne plus être sollicité par les médias, en demandant de pouvoir travailler dans l'ombre. On fait notre boulot. On fait notre boulot, mais dans l'ombre. On a besoin d'un an, on a besoin de 2 ans. On ne fait pas une enquête sérieuse en 2 mois, 3 mois. On a besoin de beaucoup de temps. Et il faut, ça, c'est quelque chose dans ce moment de vérité. Il faut entendre que ce moment de vérité, pour tout le monde, ça doit signifier le fait qu'on prend du temps. Et vous avez énormément travaillé. D'ailleurs, on voit le résultat. Alors simplement, dans ce contexte quand même, j'y reviens, simplement où sous des argumentations sur des pseudo-mystiques et pendant des années, donc, que ce soit le père Thomas ou Jean Vanier, et vous l'expliquez bien dans le livre, il y a une sorte d'emprise et de manipulation, d'abus qui sont commis à caractère sexuel pour des victimes pendant plusieurs mois, parfois même plus d'une année. Tout cela se développe, on l'a dit, dans des cadres institutionnels, qu'ils soient les dominicains, qu'ils soient à l'Arche. L'Arche, simplement, hein, vous le soulignez bien dans le rapport, qui est au tout début, apparaît comme le paravent de ce petit groupe à caractère sectaire. Alors comment, Claire-Vincent Maury, on peut qualifier un peu ce monde, j'ai presque envie de dire cette petite société, pour le sociologue que vous êtes, comment ce secret peut perdurer dans un milieu qui est malgré tout normalement où tout se sait, paraît-il. Merci. Bonsoir à tous. Comment est-ce que ce secret peut perdurer comment ça se fait que ce noyau sectaire soit resté invisible aux membres de l'Arche? C'est la question que Antoine a soulevée tout à l'heure, et c'est celle que les responsables de l'Arche nous ont posée à la commission. Voilà, une question d'honnêteté, de dire on n'a rien vu pendant 70 ans, comment ça se fait? Donc on a chacun dans la commission essayé avec nos outils, avec nos méthodes, avec nos disciplines, de trouver des réponses à ces questions. J'en profite pour souligner que notre collègue Bernard Granger, psychiatre, est aussi avec nous ce soir, et que la piste médicale psychiatrique était une piste très intéressante à explorer pour comprendre comment s'étaient nouées ces relations et comment il avait été possible qu'il y ait autant de dissimulation. Il y avait aussi la piste psychanalytique qui a été explorée, en particulier autour du profil de Jean Vanier. Comment est-il possible qu'un homme qui a autant fasciné les foules, qui était perçu comme un saint par beaucoup, comment a-t-il été possible qu'il tombe sous l'emprise de Thomas Philippe et qu'il rentre dans cette toile, et qu'il, à aucun moment dans son existence, il n'ait été en mesure de trahir la fidélité à l'égard de Thomas Philippe. Donc voilà, la perspective psychanalytique a aussi permis de travailler un peu cette question-là, et puis la perspective théologique de notre collègue Guénola Rimbaud a permis d'aller travailler un peu plus dans le détail, peut-être, des textes écrits par Jean Vanier pour essayer de voir jusqu'où la confusion, peut-être, pouvait être identifiée. Confusion entre ce qu'il avait reçu de Thomas Philippe et puis la spiritualité que lui avait essayé de mettre en mots. Voilà, donc ma perspective à moi, en tant que sociologue, pour répondre à cette question, comment ça se fait qu'on n'a rien vu, ça a été de travailler la question de l'autorité, de me dire, ce leader, ce fondateur, ce Jean Vanier, comment se fait-il que personne ne soit allé le questionner, lui demander de rendre compte de son emploi du temps, de ses priorités, de la manière dont il s'organisait, de ce qu'il faisait. C'était un homme qui, dans le cadre de l'Arche, et c'est ce que notre enquête a montré, une enquête avec de très nombreux entretiens, une enquête aussi qui s'est fondée sur le matériau archivistique de nos collègues, mais voilà, qui a montré qu'il y avait une forme d'impunité en réalité, qu'il n'était pas tant lié au fait qu'il ait occupé des positions statutaires d'autorité dans l'Arche, hein, c'est-à-dire que rapidement, Jean Vanier a laissé les positions de responsable de communauté ou de responsable de la fédération, etc. Il a laissé ses positions statutaires, mais ça ne l'a pas empêché d'être présent dans toutes les instances de pouvoir et de rester celui qui est le référent
de tous ceux qui sont en responsabilité. Et donc il y a une forme d'encadrement institutionnel, si vous voulez, de légitimation de cette impunité, de cette autonomie, de cette personnalisation du pouvoir qui était la sienne et pas seulement de lui. C'est-à-dire qu'ensuite, dans la façon dont sont construites, alors ce n'est plus forcément le cas aujourd'hui, hein, je tiens à le préciser, notre travail et le mien ont porté sur l'histoire de l'Arche avec cette perspective très particulière qui était qu'est-ce qui fait que les abus sexuels n'ont pas été vus. Donc il ne s'agit pas de... là, pour moi, de porter un jugement général sur l'ensemble de l'Arche, hein, bien entendu, mais il est certain que dans la façon de coder l'encadrement du pouvoir dans les constitutions des communautés, il y a quelque chose qui a pu, dans certaines conditions, créer des configurations qui autorisaient une forme d'impunité. L'autre élément, c'est cette autorité charismatique de Jean Vanier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et donc pour ça, on a conduit de très nombreux entretiens pour essayer de comprendre dans la relation qui liait des personnes en responsabilité dans l'Arche et puis des femmes qui se déclarent victimes ou survivantes de relations abusives avec Jean Vanier. Qu'est-ce qui fait qu'on se sentait autant liés ? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas, on a pas su dire non, on n'a pas pu dire non ? Et qu'est-ce qui fait aussi parfois qu'on s'est laissé convaincre par cette mystique par cette croyance erronée, mystico-sexuelle, et qu'on a accepté ces gestes et cette forme d'emprise et ces formes d'abus. Ce qui apparaît, c'est qu'en fait, Jean Vanier était perçu à la fois comme le prophète, c'est-à-dire comme celui qui porte un message de révélation, celui qui, au nom de Dieu, nous dit quelque chose de ce qu'est la foi, de ce que doit être notre chemin de foi et de ce qu'est une spiritualité évangélique. C'est aussi celui qui a occupé pour beaucoup le rôle d'accompagnateur, et j'ai envie de dire d'accompagnateur multifonction dans certains nombre de cas, en particulier dans les cas d'emprise et d'abus, c'est-à-dire qu'il est à la fois l'accompagnateur spirituel, mais aussi l'accompagnateur, si vous voulez, qui prend en compte la dimension personnelle, psychologique, le dialogue autour des questions de relations intimes, etc. Mais c'était aussi celui qui pouvait avoir le dernier mot par son influence sur la trajectoire, la carrière dans l'Arche, même si ce mot n'est pas très archien, mais voilà, qui va-t-on nommer à telle ou telle position de responsabilité ? Ben voilà, le mot de Jean Vanier pouvait aussi compter. Et donc il y a eu cette confusion entre toutes ces sphères qui lui donnait un pouvoir très important et voilà, et qui se combinait à cette figure prophétique. La troisième caractéristique, c'est que ce charisme de Jean Vanier, ce qui fait qu'on lui obéissait, qu'on lui faisait confiance, quoi qu'il arrive, on lui faisait confiance, c'est qu'il était aussi cet homme qui nous paraissait exceptionnel. C'était bien sûr le fils du gouverneur général, du vice-gouverneur général du Canada. C'était un homme qui avait fait une thèse, un homme qui parlait très bien, qui était grand, qui au moment de la fondation de l'Arche, il ne faut pas l'oublier, il y a aussi un écart d'âge entre Jean Vanier, qui a une quarantaine d'années à peu près au moment de la fondation de l'Arche, et tous ces jeunes qui arrivent à Trolley pour nourrir cette dynamique communautaire. Donc c'est aussi un homme qui paraît hors du commun. Et donc toutes ces dimensions-là, si vous voulez, se combinent, d'autant plus que l'ambiance autour de lui, et mes collègues historiens l'ont montré aussi, très tôt dans l'histoire de Jean Vanier, il est perçu comme un saint en puissance. Et c'est quelque chose, c'est une réputation de sainteté qui précède la fondation de l'Arche et qui le suit, et qui, je dirais aussi, nourrit, contribue à créer cette atmosphère, cette ambiance dans laquelle, progressivement, ensuite, ben, les médias, les responsables ecclésiaux, des responsables politiques, etc., tout le monde, au fond, s'accorde à reconnaître et à relayer ce discours d'admiration à l'égard de Jean Vanier. Et tout cela crée, si vous voulez, une ambiance dans laquelle il devient impossible, on ne pense même plus à questionner, à voir les signes, à interroger la réalité. Voilà. Et donc tout cela crée un contexte qui a pu autoriser le maintien du secret, d'une part l'encadrement du secret, la protection de ce noyau sectaire et de ses croyances, mais qui a pu aussi contribuer à faire se reproduire des situations d'emprise et d'abus qui se fondent, il faut le rappeler, sur ces croyances mystico-sexuelles
hérité de Thomas Philippe. Je dirais peut-être un mot aussi, parce que c'est un des éléments qui me paraît important par rapport à la discussion qui nous réunit aujourd'hui. Notre travail collectif dans ce rapport a permis d'essayer d'ouvrir la boîte noire pour comprendre ce qui s'était passé. Et donc, on raconte plein de choses qui sont très laides. Mais notamment les entretiens avec des femmes qui se présentent comme victimes ou survivantes de ces relations d'abus ont permis aussi, alors je ne vais pas dire de voir la lumière, mais en tout cas de repérer des moments, des outils, des situations, des contextes qui ont permis la sortie de l'emprise et la sortie de l'abus. Et voilà. Et donc j'aimerais peut-être rapidement rappeler, même si les travaux sur la question sont très nombreux, que d'abord, sans la prise de parole de ces femmes, aucune sortie du secret ne serait possible. Et que la première condition pour que... la raison pour laquelle nous sommes là, d'ailleurs, en tant que commission, il y a tout un contexte, bien entendu, mais c'est d'abord parce que des femmes ont pris la parole, se sont manifestées auprès de l'Arche. Le contexte a fait qu'il a été possible de les entendre et de faire quelque chose, mais sans leur prise de parole, rien n'aurait été possible. Alors, ce moment, ce déclic, si vous voulez, qui font que ces femmes, dans leur histoire, ont entamé un chemin de déprise, on en a identifié plusieurs. D'abord, il y avait le fait que pour certaines femmes, on atteignait un seuil de souffrance et de chaos et de confusion qui devenait insupportable et à partir duquel il leur fallait prendre une décision. C'était ou l'effondrement psychique, si vous voulez, mais je le dis mal, pardon Bernard, peut-être. Et voilà, ou l'effondrement, ou il fallait que quelque chose change dans la relation. Le deuxième point que nous avons identifié et qui nous paraît important de souligner peut-être ce soir, sur cette question de chemin vers la vérité, c'est la confrontation à un tiers. C'est-à-dire que dans les trajectoires des femmes que nous avons entendues, pour beaucoup, le fait d'avoir été questionné par un tiers, un ami, un membre de la famille, un accompagnant, etc., a été déterminant. Quelqu'un à qui, de manière très euphémisée, on glisse un petit peu quelque chose, cette relation qu'on est en train de vivre, et cette personne questionne frontalement, franchement. Ce moment de question permet d'enclencher quelque chose de nouveau, si vous voulez, et autorise la requalification d'une relation qui était vécue jusque-là comme problématique, on n'était pas hyper heureux dedans, mais c'était quelque chose qui certainement était bon. Voilà. Et là, une parole d'un tiers autorise à voir les choses progressivement autrement. Cette parole du tiers, et je rebondis sur ce qui a déjà été dit, ça peut être aussi celle d'autres femmes victimes, ou d'autres hommes victimes, qui ont pris la parole publiquement. Voilà, plusieurs personnes nous ont confié combien la lecture de tel livre ou le visionnage de telle émission avait enclenché chez elles un processus de réflexion sur ce qu'elles avaient vécu et les avait progressivement conduit à une déprise. Ces prises de parole individuelles, elles sont fondamentales pour la déprise collective et pour la déprise de l'institution. Et dans le cas de l'Arche, j'aimerais souligner aussi que les entretiens que j'ai pu conduire avec un certain nombre de personnes qui ont occupé des responsabilités dans l'Arche montrent que cette fascination pour l'image et pour la figure de Jean Vanier, il a fallu petit à petit, pour une partie des personnes, hein, pas pour toutes, mais qu'elle s'effrite et que Jean Vanier soit progressivement remis à sa juste place. Et ce processus de déprise collective à l'égard de la figure de Jean Vanier a rendu aussi entendable, si vous voulez, davantage les propos et les témoignages des femmes qui avaient été sous emprise. Peut-être pour conclure, j'aimerais juste faire un petit écho avec ce que Tanguy a dit juste avant. Je tiens à souligner aussi que les conditions de travail qui ont été les nôtres sont en tout point similaires à celles que Tanguy a partagées avec les Dominicains. Dans le cas de l'Arche, nous avons pu travailler aussi dans une très grande indépendance. Nous n'avons rendu compte ni de nos méthodes, ni de nos... en tout cas, pas aux responsables de l'Arche, bien sûr. Voilà, on n'a pas... Nos méthodes nous appartenaient, l'avancée de nos travaux nous appartenait, notre calendrier, dans une certaine mesure, nous appartenait, et il était évident, dès le départ,
qu'il ne s'agirait pas d'un rapport qui serait mis dans le fond d'un tiroir, mais que ce serait de la connaissance qui serait partagée à tous ceux qui le souhaitent, et c'est la raison pour laquelle le rapport est disponible en ligne. Voilà. Peut-être que je vais m'arrêter là. Très bien, voilà. Merci beaucoup. Monsieur demande quelques éléments simplement chronologiques des faits qui ont pu se présenter, peut-être Antoine, avant de donner la parole à Véronique Margron. Rapidement, on a des faits qui s'étalent des années 40 aux années 2010, donc globalement une période de 70 ans, qui sont le fruit d'une société secrète ou d'un groupe à dynamique sectaire à l'intérieur de l'Église catholique, dont la famille Philippe occupe, où la famille Philippe et leur oncle, le père de Haut, occupent une place centrale. Les premiers faits surgissent à Lviv au début des années 50, donc Lviv, une petite communauté qui est liée au couvent d'études dominicains du Solchoir, avec des premiers témoignages de femmes qui dénoncent ça, qui donne lieu à un procès du Saint-Office qui rend sa sanction contre le père Thomas Philippe en 1956. Et ensuite, avec des résurgences de ces abus dans le cadre des communautés respectivement fondées par les frères Philippe, à l'Arche, et puis chez les frères de Saint-Jean. Et ce qui a conduit, c'est à peu près ça, dans les grandes lignes, les sujets de ces travaux. Voilà, Jean Vanier, rejoignant... Lviv en 1950, effectivement 56, les portes sont fermées de Lviv, mais de 56 à 64 avant que le père Thomas Philippe, mais vous me reprenez si je dis des bêtises, le père Thomas Philippe puisse reprendre ses activités. Ce petit groupe reste dans le secret et essaie de, alors que normalement ils n'ont plus le droit de se retrouver pour mener différentes activités. Après, chacun de son côté, puisque Thomas Philippe est devenu aumônier de l'Arche, et donc aussi au contact de personnes, de femmes essentiellement, qui l'accompagnaient, tout comme Jean Vanier de son côté pouvait aussi accompagner des jeunes volontaires qui arrivaient à l'Arche ou des jeunes femmes qui demandaient conseil, avec après donc des justifications, ce que je disais tout à l'heure, mystico-sexuelles, qui amenaient à des, dans la durée, à des atteintes sur ces personnes victimes. Voilà. Le nombre, c'est difficile, vous pouvez avoir là. Comme ça, c'est. Non, j'en sais rien. Alors, nous n'avons pas fait d'enquête et de recensement exhaustif du nombre de victimes. Donc, ce nom, je ne peux pas vous le donner. En fait, ce qu'on a fait, parce que c'était ce qui était faisable, puisque l'Arche est une organisation qui a vécu pendant très nombreuses décennies, qui est dans le monde entier. Donc, un travail exhaustif de recensement est impossible. Ce que nous avons fait, nous, c'est que nous avons eu connaissance, en tant que commission de l'Arche, de 25 cas de femmes, mais dont certaines ont eu des relations abusives avec Jean Vanier avant la naissance de l'Arche, et 14 femmes parmi elles sont passées par l'Arche, parmi ces 25. Voilà. Mais ce nombre ne nous dit rien du nombre réel, et je serais incapable de faire une estimation. Voilà, Véronique Margron, peut-être. Alors, il y a plein de questions qui se posent, effectivement. Ce travail de vérité confié aux historiens, en tant que présidente de la COREF, forcément, il y a quelque chose aussi qui pose question à d'autres instituts qui peuvent exister. Il y a cette question de l'autorité que Claire Vincent Maury à aborder, qui est aussi une question importante de la vie religieuse. Et puis simplement aussi, j'aurais pu commencer par là, cette grande expérience de l'écoute des victimes que vous pouvez avoir. On vous écoute. Merci. Et bonsoir à tous. Avant tout, vraiment un immense merci aux deux équipes. Alors, magnifique, si j'ose dire, hein, mais en tout cas, vraiment alors, très important travaux, en effet, à la province dominicaine de France, donc de Paris, à l'Arche. Je voudrais peut-être faire deux remerciements antérieurs, en quelque sorte. Tout d'abord, je ne suis pas sûre que tout ça aurait eu lieu sans la CIAS. C'est-à-dire que si l'Église de France n'avait pas décidé de confier à une équipe totalement indépendante
un travail avec l'engagement au départ, que cette équipe travaillerait comme elle l'entendait, avec qui elle le souhaitait, et que tout cela serait rendu public. Je ne sais pas si les autres institutions, et mille fois tant mieux, hein, auraient osé elles-mêmes engager ces travaux. Ce que je veux dire là, en rendant hommage au travail de la commission Sauvé, c'est de dire qu'il me semble que ce qu'on entend ce soir, j'ose espérer que ça marque un avant et un après, c'est-à-dire que d'un point de vue institutionnel, on ne pourra plus faire comme si on pouvait encore être dans ce que vous évoquiez, Antoine, du rapport au scandale et au secret tel qu'il était pensé dans les années 50, ou les années 70, ou même encore les années 80. Voilà, j'ose penser qu'il y a quelque chose de décisif ici, d'autant que le rapport de la CIAS, ses livres, sont disponibles et que plus personne ne pourra les effacer. Donc ça, je pense que c'est... Moi, il me semble que c'est déterminant, hein, dans ce que nous vivons aujourd'hui. Et la deuxième personne à laquelle je pense à l'instant, parmi bien d'autres, c'est Michel-France Pénaud. Sans elle, je ne suis pas sûre non plus, excusez-moi, que nous serions là, donc qui a été une victime... en particulier des deux frères Philippe, Delarche, enfin voilà, donc qui cumulent à elle toute seule nombre de drames, hein, et qui a été accompagnée par la commission indépendante de reconnaissance et de réparation. Voilà, donc vraiment, je pense que nous pouvons tous penser à elle. Ceci pour bien dire qu'il me semble que ce que vous disiez, Tanguy, sur le temps, pour moi, ça s'accorde avec la question des victimes, c'est-à-dire que les victimes mettent en situation d'urgence. Mais cette urgence n'est pas que nous répondions tout de suite demain matin de façon exhaustive. L'urgence des victimes, c'est que nous mettions enfin en place un processus qui soit un processus de restauration. Et dans ce processus de restauration, il y a le « un peu de vérité » dont vous parliez, qui est aussi voilà, une formule reprise par le rapport de la CIAS, du prix Nobel de la paix, de Desmond Tutu, comment faire un peu de vérité, et donc comment ce un peu de vérité mène à un peu, ou beaucoup si c'est possible, de justice. Et dans la justice due aux victimes, il y a ce qui peut être fait de la vérité. Donc je pense que pour moi, ceci s'accorde entre le caractère impérieux de non seulement de l'écoute des victimes, mais de la prise au sérieux des victimes, de la prise en compte des victimes, de ce passage si complexe, à vrai dire, hein, dont je ne sais pas s'il est jamais totalement fait, de victime à témoin, dont parle le rapport de la CIAS. Et puis, la question du temps plus long, du faire la vérité, mais qui appartient au processus de restauration. Donc ça, c'est mon premier élément. Je voudrais croire que là encore, on ne pourra plus revenir en arrière, ni sur la prise en compte, enfin j'espère, de la parole et de la réalité des victimes. Ce n'est pas seulement leur parole verbale, si j'ose dire, hein, mais ce que leur corps, leur âme dit de ce qu'elles ont subi. Et dans cette restauration, il y a la question du faire la vérité. C'est-à-dire faire la vérité, c'est ce que vous avez fait, enfin en tout cas, autant de vérité que possible. Et je pense que ceci vient apprendre à l'Église de France, mais pas seulement de France, je pense qu'il serait bien que nous essayions seulement de faire la vérité possible, mais toute la vérité possible. Autrement dit, que nos prétentions théologiques à la vérité, dont témoigne ô combien... l'histoire dominicaine à travers les frères Philippe, comme, ben, en particulier Marie-Dominique Philippe, comme une figure éminente de théologien durant son époque, montre combien cette vérité-là fut aveugle et, en fin de compte, s'est avérée aveugle et mensongère. Donc, il y a là quelque chose quand même d'extrêmement... qui vient profondément nous interroger, hein, sur qu'est-ce qu'il en est de ce qui fait la vérité, y compris donc au sens théologique du terme, et donc de la modestie dans ce qui fait de la vérité théologique s'impose sans doute aussi à nous, et comment se faire de la vérité théologique ne peut pas aller sans d'autres vérités
et la discussion avec d'autres un peu de vérité, d'autres parts de vérité. L'autre chose que j'évoquerais, qui m'a beaucoup frappée dans vos travaux et dans d'autres, c'est tout ce que vous évoquez sur la dissimulation. Je pense qu'il y a une sorte de rapport étrange entre, d'un côté, la dissimulation et cette question que vous rappeliez, Claire, mais comment c'est possible qu'en 70 ans, on n'ait rien vu ? Et alors, bien sûr, on voit bien qu'il y a les processus de manipulation qui participent à ne rien voir. Évidemment, hein, bon, à partir du moment où on sait dissimuler, où on sait manipuler, on facilite le ne pas voir. Mais il n'y a sans doute pas que cela. Il y a ce que vous évoquiez de l'idéalisation des frères Philippe, de Thomas Philippe, de tant d'autres, de Jean Vanier et de tant d'autres. Donc comment se déprendre des processus d'idéalisation dans l'Église, dans la vie religieuse, hein, où nos fondateurs sont toujours considérés comme des gens évidemment considérables. Alors, quand ils sont au XIIe siècle, XIIIe siècle, ça va, parce qu'en principe, il y a eu le recul de l'histoire et d'une foultitude de travaux critiques, mais voilà, quand il s'agit de l'époque récente, c'est autrement plus difficile. Mais il y a aussi, je pense, d'autres critères qui y participent. Par exemple, le fait qu'un mouvement réussisse. L'Arche se répand, voilà, répond à de très nombreuses demandes, répond aussi à des vraies souffrances, évidemment, hein, des personnes qui y sont, des familles. Marie-Dominique Philippe fonde les Frères de Saint-Jean, d'une autre façon, les Sœurs contemplatives de Saint-Jean, puis les Sœurs apostoliques de Saint-Jean, tout cela ayant très vite un grand rayonnement. Et pour moi, tout cela participe de l'aveuglement, participe de ce qui favorise la dissimulation et qui vient nous interroger, nous, dans la vie religieuse, mais je pense l'Église plus largement, sur en quelque sorte nos critères de réussite. Hein, nous disons souvent, peut-être à tort et à raison d'ailleurs, qu'il nous faut être circonspects avec les critères du monde, mais nous avons ici exactement les mêmes. Une réussite numérique, des gens jeunes, de la notoriété, voilà, hein, de la réputation. Et donc nous sommes exactement dans les mêmes schémas que ceux que parfois, dans notre Église, moi la première, je peux dénoncer comme des sortes de critères mondains qui sont aussi les nôtres. Et je pense que ceci a participé beaucoup, peut participer toujours, de ce qui aide à la dissimulation, de ce qui fait qu'on ne voit pas. Parce qu'en quelque sorte, c'est sous nos yeux, mais voilà, nous sommes là, c'est sous nos yeux, mais nous sommes aveugles. Parce que nos clés de lecture sont ainsi orientées. Donc je pense qu'il y a vraiment à réfléchir, hein, sur ce rapport entre ce qui fait de la vérité et cette question de, en fin de compte, ce qui favorise l'aveuglement, dans l'aveuglement, favorise aussi de la dissimulation pour ceux qui veulent dissimuler. Et bien sûr, un phénomène de plus. Et enfin, pour que nous ayons, notre assemblée ait la parole, ce que vous évoquiez sur la confusion, c'est-à-dire ce qui est frappant, c'est que ces hommes cumulent au titre... comme l'un de vous l'évoquait pour Jean Vanier, pas forcément d'un point de vue strictement institutionnel, mais du point de vue de l'aura, cumule tous les rapports de pouvoir. Un pouvoir politique, un pouvoir intime, et cela vient interroger sur la façon dont dans la vie religieuse et dans l'Église, et aujourd'hui, c'est une grosse interrogation suite aux recommandations de la CIAZ. Hein, nous interrogeons la gouvernance et nous interrogeons la séparation des pouvoirs. Hein, vous savez, c'est une grosse question posée aux supérieurs, ce qu'on appelle les supérieurs religieux, un drôle de terme, ou posée d'une autre façon aux évêques sur le fait de pouvoir être à la fois père, frère, juge, maître, serviteur, enfin voilà. Et on se dit, ben, quand même, ça, c'est pas possible. C'est pas possible de cumuler tous ces rôles,
toutes ces places, plus exactement, ce qui est plus compliqué, toutes ces places dans la même personne. Et on peut avoir les mêmes problèmes dans la vie religieuse, y compris si, du point de vue strict du cadre, les choses peuvent paraître en place. Mais parce qu'il y a, et je terminerai là, une question qui reste aujourd'hui, que pose aussi le rapport de la CIAS dans ses recommandations, comment peut être évaluée la gouvernance ? Là, on peut évaluer beaucoup de choses, mais comment la gouvernance elle-même, on l'a bien vu dans l'histoire des Dominicains, d'une autre façon dans l'Arche, on le voit de façon plus générale, y compris dans les instituts où j'ose espérer qu'il n'y a pas de grosses ou de petites dérives, mais n'empêche que qui évalue la gouvernance ? Eh bien, tant qu'il n'y a pas de, non seulement de grands drames, mais de grands drames connus et reconnus, pas seulement connus, parce qu'il y avait beaucoup de choses connues, mais reconnues comme telles, comme étant des scandales pour de vrai, c'est-à-dire des scandales faits aux petits, des scandales faits à la justice, à la vérité, à la dignité, eh bien, il n'y a pas de contrôle de cette gouvernance. Donc, qu'est-ce qui peut être mis en place ? C'est une véritable question aujourd'hui. Merci. Vous allez avoir, non pas la parole, mais vous pouvez faire passer les questions. On va les reprendre. Je vois des mains qui se lèvent pour qu'on puisse récupérer les petits papiers. Peut-être très rapidement, le temps qu'on récupère les papiers, Antoine Mouge, vous avez montré qu'en 1964, à la création de l'Arche, c'est d'abord pour le petit groupe Jean Vanier, Thomas Philippe et autres, l'occasion de se retrouver ensemble et puis, j'allais dire accessoirement, en tout cas secondairement, de venir en aide et d'accueillir des personnes handicapées. Très vite, les deux ont coexisté avec un succès que l'on sait pour l'Arche. Comment expliquez-vous, je ne sais pas s'il y a des traces pour l'historien que vous êtes, que l'Arche ait pu progresser, se développer de façon indépendante par rapport à, justement, à son fondateur, ce qui n'est pas toujours le cas dans les instituts religieux. Alors, je ne dirais pas que l'Arche s'est développée de façon indépendante par rapport à son fondateur, mais en tout cas, ce groupe, en fait, alors en effet, il y a au départ l'intense qui fait que ce groupe se réunit à Trolibreuil, c'est le désir de retrouver Thomas Philippe après 8 ans de séparation, enfin de près de 10 ans en fait de séparation. Et donc c'est vraiment le désir de se retrouver. Mais quelque part, le choix des personnes handicapées n'est pas complètement un hasard. Il y a à l'arrière-fond, et on l'a bien montré dans les travaux, déjà toute une spiritualité de la pauvreté. Alors la notion est tordue par rapport à la perception traditionnelle ou classique de la pauvreté chrétienne. Cette pauvreté, elle s'accompagne d'un anti-intellectualisme, etc. Mais qui fait que quelque part, il y a quelque chose de sincère aussi dès l'origine, même si le premier mouvement est de se retrouver, très vite en fait ça fait sens pour Jean Vanier et pour les anciens et anciennes de l'eau vive de se consacrer aux personnes avec un handicap. Après, ce qui fait qu'ils sont très vite dépassés, c'est qu'il y a finalement un prosélytisme limité de ce groupe, de cette société secrète ou de ce groupe sectaire. Parce qu'il y a une culture de l'initiation, il faut être prudent, ils sortent de 8 ans de condamnation, de mise à l'écart, donc il y a quand même une grande prudence. Et très vite, en fait, Jean Vanier mobilise des réseaux canadiens, mais aussi français, il hérite d'un réseau familial, et c'est un fils de diplomate, de politique, etc., très large, et donc qui fait que des gens qui n'ont au bout d'un moment plus rien à voir avec l'eau vive vont venir et vont petit à petit supplanter numériquement très rapidement ce petit noyau en fait qui lui n'a qu'une capacité de croissance limitée. Puis assez vite aussi le fait que la comparaison avec les frères de Saint-Jean est intéressante ici, le fait qu'on ne passe pas à une structure d'ordre religieux, la question de l'obéissance n'est pas posée dans l'Arche, on est dans la dynamique communautaire des années 70, donc il y a aussi, enfin, voilà,
y a aussi des gens qui viennent chercher, qui viennent dans cette dynamique communautaire. Et donc, voilà, il y a des cultures très différentes qui vont se rencontrer à l'Arche et qui font que ce petit groupe initial peut continuer à prospérer. Et de fait, quelque part, l'Arche lui sert de paravent, mais de manière très limitée par rapport au développement de l'Arche qui, lui, est extrêmement rapide voilà. Et fécond, on peut le dire. Tanguy Cavalin, vous avez aussi dans votre travail, vous avez travaillé beaucoup sur justement les responsables de l'ordre successifs, parce que notamment dans les années 50, il y a beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions, ou même peut-être de révolutions chez les dominicains. Ça pose cette question de la gouvernance que soulignait Véronique Margron, à savoir que pour un ordre malgré tout bien établi, qu'est l'ordre des frères prêcheurs, il y avait malgré tout, dans ces années-là, des problèmes de gouvernance. Je ne vois pas quelle institution n'aurait pas de problème de gouvernance. Je partirais de là. Ce serait bien de l'accepter, plutôt que de faire semblant que tout va bien, pour après, 50 ans plus tard, découvrir que ça ne va pas si bien. Dans les années 50, il y a des problèmes de gouvernance dans l'ordre dominicain, comme il y en a dans toute l'Église. Je dirais comme il y en a aujourd'hui dans l'Église. Si je peux rajouter quelque chose et rapidement, pour ne pas monopoliser la parole, dans quelle mesure cette histoire dont nous parlons ce soir ne se perpétue pas aujourd'hui, pendant que nous parlons, j'ai envie de dire, un peu doctement ce soir. Qu'est-ce qui se passe dans des espaces qui sont autour de nous, des espaces européens, des espaces mondiaux, et qui sont le prolongement de ces histoires nées dans les années 40, 50, et qui s'enracinent dans le 19e siècle, et qui affectent des personnes, qui les affectent, qui les font souffrir, qui les détruisent. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que, quand nous avons essayé de travailler les uns les autres, nous avons pu accéder à des rapports plus ou moins expurgés de la part du Saint-Office, mais que quand je demande à accéder aux archives de la Congrégation des religieux, on m'accuse réception et que, jusqu'à aujourd'hui, j'attends la réponse. Pourtant, je sais que les dossiers existent. Qu'est-ce qui fait qu'à la congrégation des laïcs, à l'Arche, ça concerne l'Arche, ça concerne bien d'autres communautés, personne ne bouge. La secrétaire d'État, on n'a accès à rien. Donc, on se retrouve dans une situation qui, moi, me paraît, si j'ai qu'un mot à dire, qui m'apparaît comme très importante. Le manque d'accès aux archives, on n'en est plus à l'époque, les dominicains ne veulent pas montrer leurs archives, etc. C'est fini, on est au-delà de ça. Là. Quelles sont les congrégations qui font que nous continuons à dire « Rome, c'est le Saint-Office », la congrégation de la doctrine de la foi, etc. Rome, c'est un espace. C'est un espace de lutte. Tant qu'on ne peut pas comprendre ça, on ne comprend pas ce qui empêche aujourd'hui les choses d'évoluer. C'est un espace de lutte, c'est un espace curial, où certaines congrégations ont intérêt à laisser passer des choses, d'autres ont intérêt à se mettre en retrait, à faire comme si de rien n'était. On est dans des luttes qui sont féroces, qu'il faudrait absolument éviter pour la connaissance, de ne pas présenter comme tel. Il n'y a pas Rome, la France, et nous sommes tous victimes dans nos travaux du fait que quand nous faisons des demandes à Rome, eh bien on nous dit, bon, d'accord, après des mois et des mois, on vous donne des versions expurgées, alors que nous savons tous que l'un des problèmes essentiels est que quand les dossiers remontent à Rome, ils s'en sablent. Donc, pour moi, la question essentielle aujourd'hui, qui me paraît essentielle à entendre, c'est qu'est-ce qui fait qu'à Rome, on maintient les digues
ce qui ramène, en termes de responsabilité, puisqu'on parle de vérité, et que la vérité, ça se lie à la responsabilité, que le scandale ramène à la vérité, à la responsabilité. Qui est responsable de quoi ? Hein ? Y a des tas de gens qui sont bien contents, à Rome, il faut le dire, que nous soyons là à dire « c'est la faute des évêques, c'est la faute des supérieurs de la province de France, c'est la faute, etc. » On est dans un cadre français. Le catholicisme, ça ne marche pas dans le cadre français. Le catholicisme, c'est une institution universelle. Les choses remontent à Rome. Il y a des tas d'institutions à Rome qui n'ouvrent pas leurs archives ou qui les ouvrent au compte-gouttes, qui nous donnent au Saint-Office des documents pour nous satisfaire, les dossiers liés à l'eau vive. Et quand on demande tous les dossiers qui pourtant apparaissent en filigrane dans nos enquêtes respectives, qui montrent bien que ça n'est pas seulement le Saint-Office dont il est question, eh bien là, il n'y a plus personne. Donc voilà ma manière de vous répondre. Cash. Merci. Oui, alors il y a beaucoup de questions. On va essayer d'y répondre. Alors, je prends celle-là peut-être pour rappeler, puisqu'il est donc dans la salle, Bernard Granger, peut-être, il peut nous aider, s'il peut nous rejoindre pour répondre peut-être à cette question. Les psychiatres, dès le début, déclaraient que le frère Thomas était un délirant incurable qui recommencerait dès qu'il le pourrait. On sait aussi que Jacques Maritain, qui l'avait connu, hein, c'est dans votre rapport, disait mais il est fou. Alors ça n'a rien à voir avec la spécialité du psychiatre que vous êtes, parce que c'est un emploi cette fois-ci simplement dans le langage commun. Juste aussi cette question, ce témoignage plutôt. J'ai rencontré le père Thomas Philippe et Jean Vanier en 76. C'est Thomas Philippe qui m'a baptisé. J'étais très mal à l'aise en sa présence. Il était vu comme un saint. Je n'ai jamais compris ce qui fascinait chez lui. Claire, peut-être poser cette question, Claire-Vincent Maury, cette question de... Il y a la personnalité et il y a l'entourage aussi qui fait le saint. Oui, c'est-à-dire que... Enfin, c'est une question complexe, il y aurait beaucoup de réponses possibles. En tout cas, ce qui est certain, dans le cas de ce que notre enquête a montré à Trolley, autour de Thomas Philippe en particulier, mais c'est aussi le cas pour Jean Vanier, et ça a été aussi le cas pour d'autres leaders charismatiques après eux, et d'autres prêtres aussi, c'est que cette figure de sainteté, elle se construit aussi dans un discours qui est répété, qui est entretenu, et qui passe par des pratiques concrètes. Je prends un exemple, le nombre de récits que nous avons eu, de témoignages où une personne venant à Trolley pour la première fois, après avoir rencontré à l'occasion d'un catimavic, d'une conférence, d'une retraite, Jean Vanier, 2 minutes. Pendant ces 2 minutes, Jean Vanier lui a dit « viens à Trolley ». La personne se sent appelée, ce qui est tout à fait légitime, est beau dans une certaine mesure, mais le premier pied mis à Trolley conduit les personnes qui sont à Trolley que l'on rencontre à dire il faut absolument que tu ailles voir Thomas Philippe, vraiment, si tu es là, il faut que tu ailles parler avec lui. Et donc il y a comme ça toute une série de petites choses, si vous voulez, qui fabriquent en fait, qui fabriquent des mécanismes par lesquels, le mot est peut-être un peu laid, mais ce sont un peu aussi des rabatteurs dans une certaine mesure. C'est pas leur intention, hein, évidemment, mais il y a quelque chose comme ça qui s'entretient et qui aussi passe par, et c'est pour ça que notre collègue Guénola a travaillé aussi sur les ouvrages, mais qui passe par le « il faut absolument que tu lises cet ouvrage » ou « il faut absolument que tu écoutes ça ». Et donc on entretient par toute une série de mécanismes une réputation de sainteté qui contribue à ce qu'on écoute différemment, on obéisse différemment à cette personne. Merci. Alors, c'est une question d'actualité. Quelles instances peuvent aujourd'hui nous ouvrir les archives des diocèses dans le cadre d'enquêtes pour les abus, souvent confrontés à la dissimulation? Et puis, j'ai envie de rapprocher d'une autre question, si je la trouve. Bref, une question qui soulignait simplement qu'est-ce qu'on fait pour les abus encore aujourd'hui? Il y a un institut qui est cité, je ne le reprendrai pas parce que on ne va pas focaliser sur c'est-à-dire
y a des abus qui peuvent se commettre encore aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement de s'occuper de l'histoire. Véronique Margot, comment on peut répondre à ça ? Qu'il y ait des abus et des agressions sexuelles qui se commettent encore aujourd'hui, malheureusement, oui. Enfin, vraiment, je ne vois pas qui oserait répondre non. Enfin, vraiment, bon. Ça, vraiment, en tout cas, malheureusement, pas moi, pourrait répondre non. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui ? Comme vous savez peut-être, il y a des commissions indépendantes qui sont aussi des conséquences du rapport de la CIAZ, des recommandations de la CIAZ. Une du côté des victimes de prêtres diocésains, une du côté des victimes de religieux ou religieuses. Et donc ces deux commissions indépendantes reçoivent et accompagnent les victimes dans un processus autant que c'est possible, de restauration, donc de reconnaissance à la fois des faits commis et du mal subi par la victime, et effectue avec elle et avec les autorités ecclésiastiques concernées, donc avec la congrégation religieuse, si la personne a été victime d'un religieux, un processus, autant qu'il est possible là aussi, de réparation, alors de réparation partielle de l'irréparable, bien malheureusement, personne ne rendra quoi que ce soit de l'innocence, de la confiance à une victime. Donc ces processus sont des processus qu'on a nommés de justice restaurative, donc qui a pour objet vraiment de mettre la victime au centre avec cette question, qu'est-ce qui aujourd'hui peut soutenir la vie d'une victime. Donc voilà, donc ces institutions existent. Malheureusement, à mon sens et au sens de tout le monde, elles ne reçoivent pas assez de victimes, c'est-à-dire c'est encore trop confidentiel, malgré tout ce qu'on essaie de faire, mais c'est trop confidentiel. Donc par rapport au nombre estimé par la CIAZ, nous sommes très très loin du compte. Donc si vous connaissez des victimes concernées, n'hésitez pas à leur en parler, pour qu'elles puissent, si elles le souhaitent, rejoindre l'une de ces commissions. Après, sur l'accès aux archives, j'ai aucune réponse, parce que je ne connais pas... Par définition, c'est toujours du coup par coup, quoi. Donc, et l'autorisation est à la discrétion des autorités compétentes, me semble-t-il, à chaque fois, aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'il y ait une sorte de droit, alors, pour ce qui est des congrégations romaines, mais y compris au niveau de l'Église de France, de droit automatique. Alors après, il y a des règles qui sont des règles qui sont respectées, en tout cas par les archives de l'Église de France. Voilà ce que je peux dire brièvement. Merci. On va laisser Bernard Granger simplement rapidement. Pour ce qui est des archives. Il y a des règles, effectivement, il y a de multiples règles. Ces règles sont lourdes. Pour ce qui est des cartons, des fameux cartons qui étaient dans les archives dominicaines, les fameux deux cartons 3O59 dont il est question dans nos rapports, ces cartons n'ont pas pu être ouverts pendant des années parce qu'ils étaient en rapport avec le procès des frères Philippe. Donc on considérait, je dis on exprès, c'est-à-dire que dans le fond, c'était de la transmission. C'était des cartons qui étaient en rapport avec un procès du Saint-Office, et donc on considérait qu'ils étaient couverts par le secret du Saint-Office. Le provincial des Dominicains a pris l'initiative en 2019 de les ouvrir à la demande de l'Arche et des frères de Saint-Jean. Il a pris un risque pour ça. Il s'est fait convoquer à l'annonciature. Donc moi, je pense que c'est important de le dire. On peut faire bouger le rapport des forces quand il y a des gens qui sont prêts à faire bouger le rapport des forces. Voilà, c'est important à dire. Les choses ne sont pas figées, les choses sont très difficiles à faire bouger, mais il y a la possibilité, lorsque il y a une convergence, et pour ce qui était du Saint-Office, il y a eu une convergence entre l'Arche, Saint-Jean, les Dominicains, pour obtenir quelque chose.
Moi, je fais l'hypothèse que quand je demande l'ouverture des dossiers dont je sais qu'ils existent à la congrégation des religieux sur la famille Philippe, et qu'on m'accuse réception et jamais rien de plus, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de convergence. Je suis tout seul avec l'ordre des dominicains à demander cette ouverture. Il n'y a pas de pression. Donc on est dans des questions, il faut bien le dire, il faut les nommer. Je sais que c'est un terme qu'on n'aime pas employer dans l'Église. On est dans des questions politiques. Bernard Congé, alors, rapidement, parce que... Je te rejoins, Tanguy, hein, sur les luttes de pouvoir, enfin sur ton analyse du système romain, et c'est en tout cas une des choses qu'on a découvert, je crois, beaucoup dans ce travail. Il faut quand même rappeler que pour des archives publiques en France, les délais de consultation, on nous répondrait non aussi, hein, sur beaucoup de choses, sur des affaires similaires, surtout sur des affaires impliquant des abus sexuels et des instances judiciaires. Enfin, voilà, je suis d'accord. Après. Je suis d'accord que dans l'Église, le problème se pose de manière particulière parce que cette question du secret a permis et qu'il y a quelque chose à repenser. Mais il faut aussi quand même, je trouve, rappeler cet élément-là que dans le système courant des archives publiques en France, les délais sont extrêmement longs aussi de consultation et qu'on n'aurait pas forcément eu accès. Voilà, donc passons sur un autre regard, celui de Bernard Grangé. Vous avez travaillé donc... dans cette commission de l'Arche, est-ce que effectivement les déviances, les agressions sexuelles qui ont été commises sont de l'ordre de la psychiatrie ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Rapidement. D'abord, bonsoir à tous. Et là, vous me posez une question qui n'est pas simple dans le chapitre que j'ai écrit, mais je l'ai écrit aussi à la lumière du travail de tous les autres membres de la commission. J'ai bien dit qu'il fallait se garder de tout réductionnisme psychiatrique, comme il faut se garder de tout réductionnisme spirituel ou historique. C'est un regard qui est complémentaire des autres, qui se fonde aussi sur le travail des autres, sur l'établissement des faits. Et le psychiatre, lorsqu'il voit ces faits, lorsqu'il interroge des témoins, lorsqu'il lit des correspondances privées, lorsqu'il lit... Des rapports, un rapport qui vient du Saint-Office rassemble tout un tas d'éléments et ensuite il essaie de voir si en effet il peut donner une lecture psychiatrique de ces événements. J'ai essayé dans ce travail de n'avoir aucun a priori, c'est-à-dire de m'imprégner du sujet. Et pendant des mois et des mois et des mois, ce qui a constitué un déclic, c'est quand même le rapport du Saint-Office, le rapport sur le procès de Thomas Philippe. C'est un rapport, vous dites expurgé, mais enfin c'est une sorte de résumé avec quand même beaucoup d'extraits, de lettres, de rapports, de psychiatres. Et donc j'en suis venu petit à petit à l'idée de rapprocher ce qui émanait de tous ces éléments. Et dans mon texte, chaque argument est documenté. J'en suis arrivé malgré tout à en effet caractériser sur un plan psychopathologique le fonctionnement de ce groupe, en particulier la figure centrale qui est... Thomas Philippe, où, à mes yeux, mais je ne suis pas le seul, puisque les psychiatres qui l'ont examiné pensent un peu la même chose, où il y a donc des éléments psychotiques qu'il est difficile de nier, des éléments délirants. J'ai trouvé d'ailleurs un peu par hasard des descriptions de cas semblables aux siens dans des traités de psychiatrie de la fin du 19e siècle. Donc, on peut caractériser sur un plan psychiatrique, alors je parle de Thomas Philippe, mais il y a aussi tout le fonctionnement du groupe, tout la perversité, le noyau toxique qu'ils ont constitué au sein de l'Église, parce que l'influence a été bien au-delà de l'Arche. Donc c'est une lecture... D'abord, c'est assez technique. Je l'ai montré à d'autres psychiatres et
et qui pourrait d'ailleurs contester telle ou telle affirmation. Je ne sais pas d'ailleurs ce que la psychiatre du groupe de Tanguy Cavallin pense, puisque cet aspect est totalement absent du rapport, qui est un rapport d'historien, mais de dire par exemple que Thomas Philippe a simulé la folie pour ne pas être condamné, c'est vrai d'une certaine façon, mais il était dans le cas de ce qu'on appelle la sursimulation, c'est-à-dire qu'il est réellement malade, et il croit qu'en simulant la maladie mentale, il va échapper à une condamnation trop lourde. Ça a d'ailleurs été l'argument qui a été utilisé par son avocat. On commet un avocat dans ces cas-là, et pour atténuer la responsabilité, il a plaidé la maladie mentale. Mais la maladie mentale, elle a été décrite par un grand nombre de psychiatres qui l'ont vu. Les témoignages, le récit que fait Thomas Philippe de certains événements de sa vie, là aussi, ne peut pas ne pas alerter le psychiatre. Pour terminer, je dirais quand même, et ce n'est pas pour fuir mes responsabilités ou les diagnostics qui ont été évoqués, qu'il faut être toujours très prudent quand on n'a pas vu la personne. On peut, déjà, c'est difficile quand on voit la personne, alors vous imaginez là. Malgré tout, le matériel historique de toute nature a permis de faire des hypothèses que je juge relativement solides. Merci. On va arriver au terme de cette soirée. Simplement, je reprends quelques questions qui ont été posées. On ne va pas y répondre, mais pour vous dire qu'on les entend bien. Comment expliquer pourquoi Jean Vanier n'a pas détruit notamment les documents que le NFA, dont vous parliez tout à l'heure, Antoine. Les frères Philippe ont-ils laissé des écrits, des publications? Oui. Et ça pose aussi, c'est une autre question qu'il faudra poser à votre libraire préféré. Qu'est-ce qu'on fait des livres de Jean Vanier et des frères Philippe? Que pensez-vous du comportement aussi de certains prêtres face à leurs vœux de chasteté? Là aussi, pour beaucoup d'entre vous, notre débat de ce soir fait penser à d'autres instituts, à d'autres congrégations dont on a déjà parlé dans les médias, Foyer de Charité, Point Cœur et d'autres encore. Oui, c'est un travail d'information, on en a parlé un tout petit peu au début. Le rôle des médias peut-être aussi dans ces questions. Peut-on légitimement parler de beaux fruits spirituels dans des communautés malgré tout déviantes? Ça, c'est un chantier que vous avez ouvert, Véronique Margron, avec la COREF. Alors, le chantier est ouvert, donc on n'a pas encore les conclusions. Vous avez peut-être quand même quelque chose à nous partager pour terminer là-dessus. Juste deux choses. Tout d'abord, il faut bien voir, hein, je vous renvoie au livre de ta collègue, Christophe, de Céline Neuillot sur la trahison des pères, c'est-à-dire que l'influence des Philippe est très, 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 très au-delà simplement de disons, la famille Saint-Jean et l'Arche. Hein. Ils ont influencé de façon très forte et de très nombreuses communautés naissantes dans les mêmes décennies. Donc, on retrouve toute une, au minimum, une nébuleuse, voire une sorte d'organisation extrêmement problématique, c'est rien de le dire, et qui ne peut pas interroger aujourd'hui sur justement la façon dont ces influences se sont transmises et dont le pire s'est transmis. Et sur la question que tu posais à l'instant, ben, voilà, nous allons essayer de rendre nos travaux bientôt sur cette question-là, mais pour moi, c'est un peu ce que j'évoquais des critères, quoi. C'est-à-dire que si nos critères sont des critères de réussite, au sens où bien plus un groupe est nombreux, plus il est jeune, plus il est riche et plus il est beau, c'est donc qu'il est forcément saint, forcément évangélique, eh bien, je pense que nous sommes mal partis et que ceci explique en partie, quand même, une partie de tous nos déboires. Et ce n'est pas si simple que ça de se défaire de ces critères-là. De fait, ça n'est pas si simple. Donc, ça, c'est une vraie interrogation. Et puis, simplement, l'autre point, c'est que ce qui fructifie est toujours du côté de ce qui fait vivre chacun. Et là, on est face à des
à des groupes, à des sectes, en tout cas de la dérive sectaire très forte, qui a provoqué de la mort, de la mort dans ce que ces femmes ont subi d'agression et tant d'autres. Donc je pense que voilà, là on trouve un quelque chose, ce qui est de l'ordre de la fructification est du côté de ce qui fait vivre dans la dignité, dans la liberté chacun, et non pas de ce qui capte au contraire la liberté, et a fortiori de ce qui capte la dignité et l'intégrité de chacun et des membres. Merci beaucoup. Merci à chacun des intervenants. Merci à ceux qui nous ont suivis par diffusion. Merci, vous êtes nombreux dans la salle. Merci de votre grande attention qu'on a très bien sentie ici. Bien sûr, vous pouvez peut-être prolonger et poser l'une ou l'autre question si vous le souhaitez aux intervenants. N'y passons pas trop de temps. La librairie rouvre demain vers 9h, quelque chose comme ça. Donc il faudrait que... Voilà, merci, bonne soirée à tous. Alors, les auteurs vont pouvoir dédicacer ici sur l'estrade si vous voulez les rejoindre. Alors vous passez par l'entrée du magasin, vous prenez un livre et vous venez le faire dédicacer si vous le souhaitez.